est, terminé. Mon chef-d'œuvre est opérationnel. La cote de popularité de Mandy va monter en flèche. Je vais prendre Introduction au journalisme, les fondamentaux journalistiques et techniques d'investigation. Ça correspond à mon côté, je veux tout savoir. Excellent choix, Sam. À moi, qu'est-ce que je vais choisir comme option? Bah, tout dépend. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? J'aimerais devenir vétérinaire ou psychologue pour animaux. Ou un petit poney. Oh, j'ai une super nouvelle. Oh, c'est trop bien, quelle idée de génie. On va suivre les cours de stylisme. Je viens de nous y inscrire toutes les trois. Je suis géniale, j'en reviens pas moi-même. C'est ton truc le dessin de mode, Clover. C'est pas le nôtre, hein. Faites-moi confiance, ça va être passionnant. Et on pourra passer plus de temps ensemble. On va s'éclater. Allez, venez, on s'embrasse. Mettez-vous à la main. Je vous aplatis place au convoi, les bécasses. On dégage. Tu te prends pour qui, Mandy? Depuis quand on a des ordres à recevoir de toi? Depuis que j'ai officiellement choisi de suivre le cours Être célèbre pour être célèbre. Je serai bientôt la personnalité la plus importante de la planète. J'ai pris un stagiaire qui fait le maximum pour m'assurer la meilleure promotion sur tous les supports de communication. Je vais faire le buzz de l'année. Ah, c'est vrai, Trent? Oui, bien sûr. Tout ce que tu dis est vrai, Mandy. Bonne réponse, je te garde. Bougez, les bécasses, je passe. Ils ont bien respecté les normes antisismiques quand ils ont construit la maison des étudiants. C'est pas un tremblement de terre, je crois plutôt qu'il y a un whooping dans l'air. Maintenant qu'on est débarrassé de ces bécasses, dis-moi ce que tu as fait pour que je devienne riche et célèbre sans lever le petit doigt. Eh bien, pour commencer, j'ai mis à jour ton site internet. C'est nul! Ces photos ne sont plus d'actualité! Mais enfin, elle date d'il y a 3 jours! Eh bien, désolé, mais en tant que stagiaire, j'ai pas de budget. C'est lamentable! Quel scandale! Ça va nuire à mon image! Je veux du grandiose, du créatif, je veux du jamais vu! Si vous n'avez pas peur d'être ébloui, pour accéder au Mandybook, cliquez ici. Super! C'est un réseau social exclusivement sur moi! Ça doit être l'œuvre d'un de mes nombreux et fervents admirateurs. Ouais, si tu le dis. Allez, plein gaz, roule! Tu n'es pas au bout de tes surprises. Ce Mandybook va t'amener bien au-delà de tes rêves les plus fous. Jerry? Vous êtes là? Je vois personne. Oh. Patience, mademoiselle. J'expérimente le prototype du chic CHIC pour compresseur d'hélium à inhalateur combiné. Il permet à son utilisateur de voler comme un ballon. Et l'inconvénient, c'est cet effet secondaire. Il me fait planer comme un aigle, mais il me donne une voix de canard. Comme vous pouvez en juger d'après ma tenue, je rentre de vacances. Très sympa, les îles. Venons-en à la raison de votre présence. Les détecteurs de Whoop ont capté un signal étrange émis quelque part sur votre campus. Et c'était quel genre de signal? Nous ne savons pas exactement, mais il est composé d'ondes cérébrales très difficiles à identifier. Vous devrez enquêter sur leur nature et leur provenance. Et qu'est-ce qu'on attend? On s'équipe et on fonce. Envoyez les gadgets. Eh bien, les voici. Tout d'abord, le nouveau compoudrier avec identification ADN. C'est une version main libre, ce qui lui permet de flotter à vos côtés. S'il arrivait qu'un gangster vous ait ligoté, il vous donne accès à de nombreuses sources d'informations et est pourvu d'un micro-détecteur de peau brillante. C'est par exemple pour nous signaler qu'un méchant plein de tentacules gluants approche? Non, pour vous signaler quand vous vous serez trop agité en cours de mission. Afin de vous éviter le désagrément d'avoir le visage qui brille, le compoudrier vous bipera lorsqu'il vous faudra procéder à une légère retouche de maquillage. Ensuite, nous avons le bracelet hypertenseur. Il rétrécit quand il capte les fréquences inhabituelles. Le Whoop Booster, l'actuel fer de lance en matière de transport individuel. Et enfin, les boucles d'oreilles bras zéro. Aïe! Super stylé, Jerry, mais aussi super chaude. Plus que vous ne pouvez en juger. Quand on les lance, elles produisent une chaleur qui réduit en cendres tout ce qu'elles touchent. Génial! C'est comme vous voulez, Jerry. Vous pouvez prendre congé. Bonne chance, mesdemoiselles. J'adore. Je les trouve trop cool, ces deux roues. T'adores
ces engins ridicules. Moi, je m'en mettrais pas si un beau garçon me voyait sur cette trottinette immonde. Aïe. Et comme si ça suffisait pas d'être ridicule, en plus je souffre. J'ai l'impression d'avoir le poignet dans un étau. À mon avis, le gadget te sert parce qu'il capte une fréquence bizarre. En tout cas, le nom de bracelet hypotenseur qu'on lui a donné n'est pas adapté. Il faut l'appeler bracelet hyper broyeur. Venez les Spies, je pense qu'on a atteint notre destination. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On grimpe le long du mur jusqu'au toit? Oh, s'il te plaît, l'escalade, ça commence à dater comme technique. Oh. Bien vu, Alex. Le mieux, c'est qu'on s'introduise par la cheminée. Faut espérer qu'elle soit bien ramonée, nos combines sont pas anti-poussière. Waouh, y a beaucoup de gadgets et d'équipements high-tech ici. Et beaucoup de laisser-aller aussi. Mais il y a quand même des choses ordinaires. Cette brosse à dents est tout à fait banale. Je suis Bactérinator. Pour un brossage de dents, appuyez sur 1. Pour une détection de mauvaise haleine, appuyez sur 2. D'accord, bah, je parie qu'il y a même un dépisteur de caries. Le bracelet hypertenseur capte de nouveau le signal. Aïe, aïe. Il semble provenir de cet ordinateur. Bien, mission de reconnaissance. Ah, mes oreilles, bravo pour la discrétion. Les filles, je crois qu'il y a plus embêtant que le problème de l'alarme. Oh non. C'est quoi? J'ai vu une maison aussi peu hospitalière. Bonjour la cueillette. Oh, avouez que c'est quand même étrange comme mission. Une maison menaçante truffée d'engins agressifs qui nous pourchassent, c'est bizarre. Prête à faire votre rapport? Vous tombez pile au bon moment. Pouvez-vous demander au Whoop d'analyser cette incroyable brosse à dents, Cherry? Ouais, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Votre cours de stylisme commence dans 5 minutes, en classe. C'est quoi cette éducation? Ne dis même pas merci. Et c'est parti pour un changement de tenue éclair. Pour aller à notre cours de stylisme, on a intérêt à soigner notre look. Et voilà. Parfaite dans le moindre détail. Alex, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. Comment résister? Dites-moi, vous n'avez rien remarqué, les filles? Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que nos vêtements et nos accessoires sont parfaitement assortis. C'est ça le talent, Sam? Non, c'est que tous les étudiants qui sont sur le campus sont absorbés par leurs ordinateurs tablettes et leurs smartphones. Ma quelle brute! Et voilà, j'ai tout renversé. Oh mince, la tâche. Écoutez, venez. T'as vu le message qui dit qu'elle a fait don de ses vieux skis nautiques à une fondation pour la lutte contre la sécheresse dans le désert de Moab? Oh oui, tu te rends compte, elle est très généreuse, cette fille. Je suis trop contente que le Mandy Book existe. Comme ça, on peut suivre au jour le jour tout ce qu'elle fait de génial. Mandy Book? Mon nouveau site web qui m'est entièrement dédié, le Mandy Book, est un succès. Je fais fureur, sachez que j'ai déjà plus de 100 000 personnes qui me suivent. Trent, tu te dépêches de m'organiser une fête pour célébrer ça. Pourquoi vous n'avez pas encore adhéré, toutes les trois? Oh oui, je sais, parce que vous êtes toujours à la traîne, les bécasses. Il faut savoir être à la page internet. Bon, allez, on roule, Trent. Ça va faire chuter ma cote de popularité si on doit parler avec ces nuls. C'est pas croyable, Mandy est réellement devenue une célébrité. Et dire que je pensais que les étudiants de Maliou avaient du goût.
Venez, on est en retard à notre cours. À présent que je l'ai propulsé au sommet, je vais regarder Mandy tomber en chute libre. Dai, dai, à petit point les ourlets, par pitié. Travaillez, que diable! La mode ne s'inventait pas toute seule. Plus de sueur, plus de larmes. Ah, moche, moins de lycra. Alors les filles, j'ai pas eu une super idée. Je suis trop contente de suivre ce cours avec vous. C'est génial. Non, je ne le sens pas. Repartez à zéro, Sam. Revoyez tout votre concept, sinon je le pressens, ce serait une horreur. Quoi? Comment ça, une horreur? Mais moi, c'est Clover! Bon travail, Alex! Le démodé, ça fait très mode, j'adore! Ça, c'est tendance! Oh. Bellissima, cette manche tachée, Clover! Le message est audacieux et effronté! Votre originalité fera de vous un grand nom de la création! Arrivederci, c'en est assez pour aujourd'hui! Je vous revois demain! Ciao, ciao! Le professeur Plunkett a une dent contre moi. Il me déteste, il retient pas mon prénom. Non, il a rien contre toi, Sam. Je veux dire Clover. J'espère que c'est vrai. En tout cas, heureusement qu'on est amis pour la vie. Dites donc, vous avez lu le dernier message posté sur le Mandibook? Elle a décidé de nous faire payer ses autographes. Et elle n'accepte de nous serrer la main que si elle porte des gants haute couture. Les fans de Mandy ont l'air très en colère après elle, ça se gâte. Le mot est faible, Alex. C'est pas de la colère, c'est de la rage. Mais c'est formidable! Maintenant que le site internet Mandibook dégénère, je m'abonne à sa page pour en voir le contenu. Monstrueux! Au secours, regardez, c'est une tragédie! Oui. Non! La reine de la popularité vous honore de sa présence. Attention, elle est là. Laissez pas s'échapper. Mais quoi? On se détend, n'approchez pas. Moi, je suis une icône, je mérite le respect. Laissez-moi, mon témoignage. Déchaîné. Bizarre quand même qu'il réagisse si violemment. On ferait mieux d'intervenir avant que la foule la réduise en bouillie de carottes. C'est parti. Ce bracelet va transformer ma main en raquette de tennis. Parce que je peux vous l'affirmer, il capte à nouveau ce signal. Ils ont cinglé, ils ont cinglé ses fans. Pourquoi les meilleurs endroits pour se cacher sont aussi les plus dégoûtants? J'aurais dû deviner que c'était vous qui aviez manigancé tout ça. C'est vous qui avez poussé mes fans à se révolter, vous et vos... vos horribles combinaisons. Mandy, mais nous, on n'a rien à voir dans cette histoire. Oh, c'est Jerry. Tu veux bien nous excuser une minute? Bon, je viens d'avoir les résultats de l'analyse ADN de la brosse à dents. Elle appartient à un certain Telly Hardwire. Bonne chance. Telly Hardwire? C'était pas le président du club d'informatique du lycée de Beverly Hills? Mandy, ça te dit quelque chose, Telly Hardwire? Telly quoi? Tu te souviendrais probablement de mon nom si tu avais daigné accepter ma demande d'amis quand on était encore au lycée. Telly? Oui, c'est moi! Et si je suis là, c'est pour anéantir Mandy. Je veux me venger parce qu'elle m'a méprisé et la punir de se croire supérieure aux autres. T'as pas peur du ridicule? Non mais regarde-toi, tu fais pitié! Les gens comme toi oublient que c'est grâce à des génies de l'informatique comme moi qu'on doit la création des réseaux sociaux. Et ça change quoi? Bon, allez, dégage, arrête de me parler. T'as raison, parler ne sert à rien. Quoi que tu fasses, ça m'est égal. Tu n'es rien qu'un petit incident de parcours négligeable sur ma route vers la gloire. Oh, les revoilà. Et apparemment, ils vont pas prendre ta défense, Mandy. J'ai intégré une fréquence onde cérébrale au Mandibook. Elle me permet de contrôler le cerveau de tes fans. Et c'est avec ce signal que je les ai rendus accro à ton réseau. Et c'est là que je les pousse à vouloir te détruire. Comme à l'évidence, ça fonctionne très bien. Après t'avoir éliminé, je m'en prendrai à tous ceux qui, comme toi, ont rejeté mes demandes d'amis. Et je transformerai leur vie en cauchemar. Ce garçon n'est pas bien dans sa tête. Clover, tu leur fais barrage. Alex, on doit mettre Mandy à l'abri. Allez-y, pensez, attrapez-la. Clover! Regarde ses yeux, la fréquence de Telly agit aussi sur elle.
Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'issue. C'est parti pour le chic. Tu perds rien pour attendre, on te retrouvera. C'est pas terminé. Venez vite! T'es qu'un traître! Je veux plus te voir! T'es viré! Viens là! Viens là! Mandy, en voiture, dépêche-toi! Attention! Désolée pour la conduite, c'est pas total confort, mais tout est sous contrôle! Livre-nous, Mandy! Dirige-toi vers la maison d'où la fréquence est émise, Alex! Je vais essayer, mais faut pas rêver, hein, je t'aimerais pas, Clover! Le mieux est de passer en mode chic! Par ton insolente vanité. Et si je l'accepte maintenant, ta demande d'amis, tu retiendras ces fous furieux. J'ai compris ce nom. Vite, Alex, il faut détruire de toute urgence l'émetteur du signal. Je vais le réduire en miettes. Oh, maîtrisez-la avant qu'elle endommage l'émetteur. Sinon, plus de Mandibook. Tous après elle. Les boucles d'oreilles bras zéro devraient pouvoir m'aider. Oh non, t'es encore là, toi. Alex, c'est pas pour te mettre la pression, mais il faut détruire l'émetteur, vite. Je sais, mais il y a ce chien de garde là-bas. Que tu voudras, Mandy. Où tu vas comme ça, Telly? Rêve pas, t'as rendez-vous avec la prison du Wook. Je te préviens, lâche-moi tout de suite ou je saccage ta popularité. Je peux te réduire à néant. Je prends le relais, les Spice. Excellent travail. Jerry, il me semble qu'il faudrait effacer tout ce qui s'est passé aujourd'hui de la mémoire de quelqu'un. Je suis célèbre! J'ai un stock d'amis de 100 000 personnes! Eh ben, estime-toi heureux s'il te reste un ou deux amis en stock.
Eh bien, les filles, ça aurait été du sport. Franchement, ce semestre commence fort. Ah oui, j'espère qu'on en aura plein d'autres d'émissions aussi géniales. Je suis contente que tout se soit passé pour le mieux. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi professeur Plunkett n'adhère pas à mon sens de l'esthétique. Oh. Ah, mais que bello, c'est sauvage, féroce. Combien de filles oseraient porter une combinaison déchiquetée et calcinée et cette coiffure nid d'oiseau? Ça va m'entébouriffer. J'adore, bellissima. Ciao, Alex. Oh, c'est merveilleux. Je sens que ça va vraiment être une super année. S'il arrive à m'appeler par mon prénom...